Bon, moi, je peux dire au départ, nous avons un représentant de T-Jams parmi nous, dans le plateau aujourd'hui en Fezen. Yavin, toi, tu es responsable communication de T-Jams. Mais T-Jams, c'est une équipe qui compose de qui? Alors, bonjour, Shana. T-Jams, c'est une ONG qui est formée en 2006, qui a pour mission de soutenir les diabétiques de type 1. Alors, pour bien comprendre qui fait nous exister, c'est qu'au départ, Patina ban suivi ban traitement spécialisé pour ban enfants diabétiques. Ce qui fait qu'un enfant diabétique est capable et n'a ban même utilisation d'insuline qui ban adulte. Alors ça fait qu'arrive un moment ban parents et ban du monde qui proche avec ban diabétique, ils trouvaient qu'il est important pour justement créer un ONG qui est une ban structure, ban forme pour capable encadrer un diabétique de type 1 sous plusieurs façons, c'est-à-dire l'éducation, le matériel médical, ban suivi spécialisé avec ban spécialiste. Sortir activité pour les diabétiques, cadré pour eux, et les tests à long terme qui donnent des résultats plus intéressants. Mais c'est les enfants qui aident dans l'ONG ou c'est les enfants qui participent à tout? Alors, T-Jams, c'est composé d'un staff, d'un centre, avec un staff qui est dédié à l'opération de sa ONG-là, c'est-à-dire au niveau un département médical, un département communication, un département d'administration qui fait que ça va un service qui m'en fait qu'explique toi là capable de rouler capable vers ban diabétique et que cette famille voilà. Okay. Donc il y a à la tête il y a un comité exécutif qui dirige l'ONG et ça va un département là qui fait rouler ban service là. Ok, et que là je vais lancer une campagne, je vais commencer une campagne contre le diabète. Alors qui campagne? Exactement. Alors vendredi dernier, nous fait le lancement de la campagne Ça me regarde, qui composait de bandes poster qui pour l'eau bandes bus, bandes poster qui pour explique qui étaient bandes symptômes de diabète dans l'école, bandes dispensaires et bandes hôpital. Et que aussi, elle a fait une attraction principale pour ça l'année ici, qui est une vidéo qui appelle un Leap Dub. Quand nous vous trouvons dans la vidéo là, bandes enfants diabétiques, bandes. Parents, ben staff de T-Jams, ben du monde qui travaille ensemble avec T-Jams, mais aussi ben du monde qui nous côtoyait dans la vie de tous les jours, qui se chacun faire une petite phrase dans sa santé de Yannick Noah, qui nous choisit, qui appelle ça me regarde, parce que sa santé-là, elle est bien cadrée avec un message qui nous veut reporter. Nous veut reporter avant du monde un message important, c'est-à-dire que le diabète de type 1, il concerne tout ben du monde qui est autour des enfants diabétiques et même toute la société mauricienne. Donc, ça me regarde, c'est un message contre l'indifférence. Tu vois? Alors, ce qui est important, c'est qu'il nous fait cette vidéo-là pour capable communiquer avec ben jeunes, communiquer avec ben parents qui autour un diabétique, pour dire qu'il y a pourtant un suivi. Alors, ça me regarde, ouais. Ça concerne tout le monde. Ok, mais si Yavin est là, comment nous fait attendre qui nous est ben posteuse, ben l'affiche qui T-Jam spécial vie pour cette campagne de sensibilisation contre le diabète et comment nous fait attendre aussi qu'ils se lance une vidéo. Nous regardons la vidéo qui suit tout de suite. Je peux fermer les paupières, toute une vie jusqu'au cimetière. Est-ce que je peux ouvrir ma porte, uniquement pour que je sorte? Est-ce que je peux compter sur moi-même, sans compter ceux qui portent leur peine? Les regarder sans même les voir, et me regarder dans un miroir. Ça me regarde, ça me regarde. Ça me regarde moi, ça me regarde moi. Ça te regarde, ça me regarde. Ça te regarde toi, ça me regarde moi. Ça nous regarde tous, ça nous éclabousse. Les intelligents, les petites gens, les faibles et les grands, les jaunes et les blancs, les noirs et les rouges, et tout ce qui bouge. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Est-ce que je peux faire semblant de croire qu'il ne pleut jamais sur mon trottoir? Pourrais-je dire que j'ai oublié quand ma dernière heure aura sonné? Est-ce que le bonheur est aussi complet si seuls les miens peuvent en profiter? Est-ce que le chant des hommes au secours n'est pas la plus belle chanson d'amour? Ça me regarde, ça me regarde,
ça nous regarde tous. Ça me regarde. Ça nous éclabousse. Ça me regarde moi. Les intelligents. Ça me regarde. Les petites gens. Ça me regarde moi. Les faibles et les grands. Ça me regarde. Les jaunes et les blancs. Ça me regarde moi. Les noirs et les rouges. Ça me regarde. Et tout ce qui bouge.